Yo mes petits Francis, j'espère que vous avez la forme. On se trouve aujourd'hui sur Metal Gear Solid V, référence à Venom Snake, les potos. Oh, on tombe en pleine tempête de sable, c'est super. Donc, aujourd'hui les petits potes, on est parti pour faire des petites missions et tout dans la zone de en Afghanistan. Malheureusement, on a une tempête de sable, c'est super. Et donc du coup, pourquoi on va jouer à Metal Gear Solid 5 aujourd'hui les amis et pas faire une vidéo info ou quoi? Parce que tout simplement, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, le remake, sort l'année prochaine. On a eu un petit peu une bande-annonce et tout lors de la conférence Xbox au Tokyo Game Show. Faut savoir que ça me hype de zinzin. À noter que Metal Gear Solid Snake 3, c'est le premier dans l'ordre chronologique. Donc avec The Boss et tout, donc ça c'est vraiment cool. Où Snake n'est pas encore le soldat légendaire qui deviendra par la suite. Donc ça me hype de fou, voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur Phantom Pain les amis, parce que déjà c'est le dernier, donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu moins dur à jouer en termes de graphisme je parle. Et puis parce qu'en fait ça fait un moment que j'avais envie de le faire, donc je me suis chauffé et voilà. Alors, j'ai sélectionné une petite mission, comme vous pouvez le voir, c'est une mission secondaire. On va faire les deux missions secondaires, donc il y a celle-là et celle-là. J'ai sélectionné la mission sécuriser le plan de PM anti-émeute. Donc comme ça, pour la Mother Base, on sera pas trop mal. Je vais juste marquer le village. Alors à noter, les Francis, que vraiment, en termes d'infiltration... Alors parce que, bon, les Metal Gear, c'est connu quand même. C'est The License de Hideo Kojima. L'homme avec le plus gros melon de l'histoire, d'ailleurs, au passage. Ah ! Je dis ça parce qu'à chaque fin de mission, à chaque fin de truc, il y a son blaze écrit partout. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Alors, à savoir que, ouais, comme je disais, voilà, ça m'est revenu, c'est un jeu d'infiltration et tout. Les gars, voilà. Je suis pas hyper bon en infiltration. C'est pas ici que vous allez voir du gameplay de génie sur Metal Gear, étant donné que c'est le premier auquel je joue vraiment. Donc, soyez un peu indulgents. Mais en tout cas, on est arrivé. Donc, normalement, on devrait trouver un document dans la zone. Et en plus, ça me permettrait de capturer la base. Donc si jamais on se fait repérer, ça part en guérilla, mon poteau. Et puis on va sécuriser la ville et elle nous reviendra à nous et ça c'est cool. Tout à l'heure, quand j'ai exploré un peu la carte, enfin quand j'ai fait une mission secondaire, j'ai réussi à extraire un chien. Donc je suppose qu'il deviendra un poteau. Je crois que lui, il est tout seul, on va essayer de l'interroger, lui. Hop, on va y aller tout tranquille. Juste te retourne pas, frérot. Bon, j'y vais. Je porte mes yux. Pep, mon pote, t'es pas en position de négocier, là. Parle. Ok, merci. Hop là. Ça, c'est beau, ça. J'espère que je vais faire une bonne infiltration, là, dans la vidéo. Comme ça, on sera vraiment au top. Voilà. Chut. On ne saoulera pas, toi. Je vais aller voir là-dedans, s'il n'y a pas un plan. Je suis rentré comme un bourrin. Ça se trouve, il y avait des mecs à l'intérieur. Merci pour la cassette. Ça fait des sons en plus. Ça fait plaisir. Oh, paye ton infiltration, mon pote. Hein. Moi, je casse tout. Ah mais non, mais j'étais déjà venu ici dans l'autre mission là. Ouais, donc non, ici le plan qu'il y avait là, je l'ai déjà pris. C'est qui m'a vu? Ok, on a évité le pire. On a évité le pire les petits potes. Je commence à prendre le gameplay en main en plus parce que quand on connaît pas les Metal Gear, c'est vrai que le prendre en main, ça commence à être un peu plus compliqué quoi. Je veux pas que je cours trop comme un gueudin parce que j'ai pas tout éliminé encore. Je crois qu'il y a un véhicule. Alors. Voilà, c'était ça, le plan anti-émeute. On a fini la quête, les potes. On va sécuriser la zone là. Ok, c'est lui qui l'a vu mort. Ah. Voilà. Ah, il y a un pote à lui. Bon.
Ah merde, merde, je suis repéré. Bah, je suis plus qu'à repérer du coup. On enlève le silencieux. Enlève le silencieux, frérot. Ouais, parce que du coup, si je me bats, on va pas utiliser le... Oh, lui, il est un peu con. Bon, les amis. Du coup, on a trouvé le plan. Hop. Donc, on va se diriger. Donc, la prochaine petite mission. Poser des équipements de communication des soviétiques pour empêcher l'envoi des renforts des avant-postes. Bon, attends, j'y suis. Hein. Ok, ça a 1 km, les poteaux. Ça a 1 km. On va appeler Diors. De toute façon, on va bien. Non, mais non, mais... Pourquoi dans le sens opposé? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est marrant de parcourir des champs de bataille avec un cheval. Je trouve ça cool. Ça change des véhicules. Bien sûr, on peut avoir des véhicules aussi. Mec là. Ah, attendez. Je les ai vus. On va peut-être se faire une session sniper, les potos. La petite session sniper. Il est absolument pas discret, mon snipe. Et je le fais bien exprès. Parce que j'ai envie de me battre. Donc on a un gars là. Donc lui déjà. Là vous le voyez lui. Ah, vous le voyez plus. Ah merde. Pardon. Il a esquivé la balle genre. Ah toi ça se lâche dans ton crâne. Ça se loge dans ton crâne. Ouah. Excellent. Allez. On va aller voir s'il y a des choses à ramasser, tiens. J'aime bien le snipe, mais il faudrait que je débloque un plan pour avoir... je sais pas si on peut mettre des silencieux direct dessus. Et bah y'a rien. Bon, en tout cas, moi, les Francis, pour l'instant, ce Snake Eater, je suis trop hype par le remake, c'est pas possible. Phantom Pain, je le trouve vraiment cool. Et bon, je suis pas très loin hein, dans l'aventure, là, pour l'instant, je suis... J'ai vraiment fait 3 missions principales avec l'évasion de l'hôpital. D'ailleurs, putain, quelle mission. Quelle mission, c'était vachement cool. Donc, du coup, voilà, pas mal surpris, j'aime beaucoup... J'avais essayé d'y jouer quand j'étais plus jeune, mais je comprenais rien. Maintenant, je comprends. Du coup, c'est cool. Et surtout que, bah, c'est vrai que quand on connaît pas les MGS, commencer direct par Phantom Pain, c'était pas la meilleure chose à faire. Et du coup, ouais, et graphiquement, le jeu est sorti en 2016. Et les gars, graphiquement, il est pépite. Hein. Franchement, il est pépite. Ça serait, c'est pour ça, vraiment, j'ai très hâte de voir Snake Eater. Et je pense que ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier remake à mon avis des MGS. Et je trouve que c'est cool pour ceux qui n'ont jamais vraiment, vraiment mis la main sur des MGS. Bah ça fait très plaisir. Et surtout qu'apparemment le gameplay serait un peu similaire à Phantom Pain d'après ce que j'avais cru comprendre à droite à gauche. Apparemment il ferait des déçus. Apparemment la révolution graphique du jeu serait pas, enfin l'évolution du jeu serait pas ouf en termes de gameplay. Il tournerait par contre, oh, attention. Apparemment il tourne sur Unreal Engine 5, donc ça c'est cool, et vraiment ça se voit dans les trailers, le jeu est magnifique. Hâte de l'avoir en main, de toute façon quand on l'aura en main on fera une vidéo découverte hein, bien sûr. Ouais non, ça annonce du très lourd, et même Phantom Pain j'ai hâte de continuer l'aventure, parce que mine de rien franchement, le scénario est intriguant. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de descendre. Et voilà. Mais ouais non, graphiquement il est... propre de fou hein, le jeu. Et là, pour ceux qui se posent la question, voilà, sur PS5. Franchement, top. Top de fou. Je vais éviter de trop gâcher mes ressources en termes de silencieux. Et lui, je vais l'extraire. Voilà. Allez, hop, viens avec moi. Tac, tac. Bon. Regardez. Ça, c'est drôle. Et dire que j'ai extrait le chien comme ça, ça me fume. Ah, ça me fait taper des barres, putain. Bon, on va pas y aller à la pince, quand même.
Mais du coup, vous voyez, autant, parce que j'ai testé Death Stranding. Alors, de toute façon, Death Stranding, c'est simple. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et techniquement, franchement, le jeu est magnifique et tout, il n'y a pas de souci. Techniquement, c'est incroyable et tout. Mais j'ai absolument pas accroché au gameplay et tout. Et j'avais un peu peur pour MGS, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, oh, je sais pas ce que ça vaut vraiment et tout, machin. Après, j'ai commencé à me renseigner un peu sur la licence. J'ai regardé et tout, et je me suis dit, ah ouais, non, c'est banger. Du coup, j'ai vu, il était en promo, là, il y avait Ground Zero et Phantom Pain, bah, dans enfin l'édition qui regroupe les deux. Ah, j'ai dit, bah, j'hésite pas une seule seconde, et hop, on y va. Ah oui, aussi, quand j'étais petit, j'avais joué à Metal Gear, au Metal Gear Rising, je crois qu'il s'appelle, tout simplement. Et j'avais kiffé Raiden. Et apparemment, on peut le jouer dans Phantom Pain, j'avais cru voir ça. Donc j'ai très hâte de débloquer Raiden. Bon après je pense pas que ça va pas être le même, parce que le Raiden qu'on a dans Rising, complètement cyborg. Mais qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. Je vous mettrai des petites images là pendant que j'en parle, mais je pense pas que c'est un Metal Gear qui fait beaucoup plaisir aux fans. Mais putain, hein, moi quand je l'avais eu quand j'étais gosse, j'avoue j'avais bien kiffé tout pouvoir découper et tout. Non vraiment ce jeu était incroyable. Je pense que je vais y rejouer bientôt. Parce que vraiment, ça me hype de zinzin. Ok, pour l'instant, tout se passe bien. Bon, ils l'ont vu mourir. Oh merde, putain. On va pas réussir à faire un truc propre. Ok. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Ça va, il me reste encore lui. Ah, c'est... J'arrive pas à viser avec ce flingue de merde. Mais il m'a pas repéré quand même. Ah, il dort ! Sors d'où toi? Hop là! Oh les potes, attendez. Patate! Oh je vais tous me les cuire. Lui aussi il va pas demander son reste. Ils sont bien. Bah fais dodo. Hein? Non. C'est une blague. Ah merci. Putain je te massacre. Ah bah, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Bon. Pouvoir tous les tuer maintenant. Putain merde, lui il s'est réveillé. Tu te réveilles pas, j'ai dit. Putain, je suis vraiment fier parce que je commence vraiment à prendre l'infiltration en main. Parce que vraiment, bon vous avez pas vu, mais au début du jeu, oh le... Allez. Ça a pété. On sort de la zone sensible. On se casse, les amis. Alors, on va peut-être, avec un peu de chance, on va peut-être éviter la nuit. Je reprends mon fidèle canasson. Et on se barre. Coucher de soleil. Voilà, les amis. La nuit va tomber. Voilà, mission accomplie, les Francis. Et ça, c'est beau. Bon, les petits Francis, je pense qu'on va s'arrêter pour cette petite vidéo sur Phantom Pain. Parce que là on approche de la nuit et je pense que je vais retourner à la Mother Base faire mes petits trucs de mon côté. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bon, pas forcément sur MGS, peut-être, c'est possible, hein, si j'ai envie de refaire d'autres vidéos de gameplay dessus. C'est pas impossible que ça arrive. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos actu et bientôt Sparking, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine, bisous.